habite là, ouais. Ah ouais? On quitte alors là, c'est entre 15 et 20, mais on quitte la maison ici et puis on va vivre à l'Alpage. Et quand on monte au mois de juin, on monte aussi par là, donc... c'est une fête, la montée est là des Alpes. On descend premièrement les fromages avec ça, puis on transporte la marchandise pour l'Alpage. Faire du Nativa, il faut être sur les alpages, ça doit être cadastré alpage. C'est autorisé la fabrication de Nativa du 10 mai au 10 octobre. Après, les vaches doivent se nourrir uniquement d'herbe. C'est très strict, hein, c'est... Et puis, elles doivent chauffer le feu de bois. Parce qu'il n'y a jamais du lait de mélange, hein. Chaque producteur fait son fromage personnellement. Hein. Mm-hmm. Puis bon, puis ce qu'il y a, c'est que c'est une sortie manuelle. Hein. On peut sortir le fromage, le chaudron, depuis sur le feu. Ils retroussent les manches comme ça, ils prennent, ils vont se tremper les mains dans l'eau, puis ils plongent dans la chaudière, puis ils sortent un fromage. On prend le fromage qui est dans le chaudron pour le mettre ici, puis ici ça s'appelle l'entrouchoir, la table que vous voyez ici. Il y a tellement de fromages, toutes sortes de fromages sur le marché. Les gens sont d'accord de payer un peu plus cher pour un fromage d'alpage comme Nativa, mais il faut que ce soit un fromage de qualité. Voilà. Puis c'est très important pour nous parce que on va faire n'importe quoi après. Hein. Si on commence à faire du Nativa nous pendant la saison d'hiver. Après, ben, notre fromage n'a plus de crédibilité. Hein. Ce printemps, on a fait une enquête et on est arrivé à trouver qu'il y avait un tiers de Nativa qui s'exportait sur la France, une bonne partie. Ils en exportent aussi un petit peu en Allemagne, un petit peu en Belgique, un petit peu au Canada, en Amérique, un tout petit peu. Puis quelques pièces au Japon. Mais, alors nous, on est une vieille famille du Pays d'Enhaut depuis 1400, je crois qu'on est au Pays d'Enhaut. Non. Ouais. Alors. Comme producteur, moi je passe du côté de mon père, je suis la quatrième génération qui fait du fromage. Ouais. Puis du côté de ma mère, peut-être la dixième. Oh, les familles du pays. Hein. C'est la force de Nativa, c'est justement beaucoup d'entreprises familiales. Hein. Ouais, partout des familles. Hein. Souvent lui il part faire les foins et puis moi je reste au chalet pour tourner les fromages. Et le soir entrer avec les enfants. J'ai oublié de tirer un grand coup de chapeau à toutes les femmes de producteurs parce que... Il l'a déjà dit une fois, c'est le moteur de l'exploitation. Pass the peas, pass the peas, pass the peas, I like what you say. Come on, pass the peas, pass the peas, pass the peas, I like what you say. Pass the peas, what? Pass the peas, come on, pass the peas, horns, pass the Moi, je suis conseiller de fabrication. Donc, consultation vraiment dans le sens pour aider les producteurs à faire de la qualité. Hein. Alors là, en fait, je perce pour voir un peu s'il y a des défauts dans cette pièce. Ça commence à bouger maintenant, l'Allemagne, vraiment, à force d'aller. Hein. C'était bien aussi. Bon, bien sûr, on est une entreprise, et puis c'est une entreprise qui n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais. On peut tirer un coup de chapeau à nos prédécesseurs. Hein. Ouais, cette année, on a produit exactement 14 364 pièces. On a refait de la place pour 8000 pièces supplémentaires. Un petit morceau. Une des choses qu'on peut se dire, c'est que ces gens, c'est des sacrés bosseurs.